J'appelle des côtés Michel. Thank you.
l'association des anciens rugbymen de Côte d'Or. Vos objectifs sont alors d'aider 18 écoles de rugby du département. Ça continue d'ailleurs d'en transmettre ce que vous avez appris, les réunir tous ensemble avec les partenaires, les institutions, lors d'une journée, afin de leur remettre une contribution financière pour les aider. Cette association est unique en France et vous aimez en parler. Elle reçoit chaque année les grands rugbymen internationaux. Le parrain de l'association pour les sportifs s'appelle Joe Masson. Et il est donc parrain depuis 2009 de cette association. Mais se sont succédés tous les grands noms du rugby français ici. Philippe Sella, Jean-Paul Scrella, Pierre-Philippe Preux, un grand monsieur qui s'appelait Leicester, Sylvain Marconnet, Marc Desrenons, Bernard Laporte, etc. etc. Et même un qui faisait un peu peur à tout le monde, Sébastien Chabal. Inutile de préciser qu'à Dijon, la jeunesse et l'accompagnement sont au cœur de vos préoccupations. C'est la raison pour laquelle ça a toujours été un plaisir de vous avoir à nos côtés et de vous suivre dans vos projets. Vous aimez profondément cette communauté et nous pouvons tout à fait le comprendre, car elle est ancrée des valeurs d'amitié, de convivialité, de respect et de solidarité. L'ensemble étant essentiel pour notre propre construction personnelle. Le sport, en général, tisse un lien entre les générations. Ça crée du lien social entre les personnes, surtout qui ne se seraient parfois pas rencontrées, quelle que soit leur origine sociale. On est toujours en short sur un terrain quand on court après un ballon. Un lien essentiel pour grandir, pour s'émanciper. Ainsi, toujours dans le même état d'esprit, en 2011, avec des amis qui sont là, vous mettez en place le Téléthon des sports. Et votre idée est de réunir, au travers du sport, un certain nombre de clubs, d'associations sportives pendant 2 jours afin de récolter des fonds pour cette lutte. Cher Michel, il y a des parcours comme le vôtre qui méritent éloge parce que votre engagement a toujours été sincère, parce que pour vous, le sport rime avec transmission et que sans lui, nous passons à côté de moments collectifs inoubliables. Ce qui nous unit lors d'une victoire, bien sûr, tout autant que lors d'une défaite. Mais aussi parce que le sport rime avec rencontres, avec découvertes, et que ce sont elles qui nous lient avec, à travers le temps. Notre jeunesse a besoin de modèles comme vous, de l'appeler ici. Et donc, je tenais à rendre hommage à votre engagement, cher Michel. Je précise que vous continuez à faire du sport, vous-même, aujourd'hui, vous faites du vélo, à peu près une cinquantaine de kilomètres. Mais je vous invite ici. Je vous invite ici devant tout le monde à faire attention et éviter les chutes. Parce que vous m'avez raconté que ça vous a plu une fois par semaine. Et même une fois dans le canal. Ah oui, ça c'est pas bien. Voilà. Je vous ai rendre hommage. Pour les autres, pour la jeunesse, et chacun s'émancipe à travers ce sport que vous avez tant de vie, à rendre hommage à votre parcours mémorable. C'est celui-là que les pouvoirs publics, le ministre des Sports, enfin l'ex-ministre des Sports, ont voulu récompenser. Vous avez été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite, et vous pouvez, cher Michel, ainsi que vos proches, en être légitimement fiers.
va vite, on va vite. Par contre, je vous remercie à vous tous, parce que vous avez tous été un peu tôt dans ma vie. Et croyez-moi, j'ai eu des souvenirs qui sont encore là. Je me demande si j'avais pas fait le vie. D'abord, je suis pas là. Mais de toute façon, bon, je vous invite à tous, si vous avez des enfants, des petits-enfants, à leur faire essayer le rugby, parce que c'est un sport où on a des copains pour la vie, on va dire comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous aller choisir le football. Vous avez pu jouer avec moi, j'en avais parlé une fois. Et croyez-moi, c'est un commerce, vous avez joué la bonne idée. La première chose qu'il m'a dit d'ailleurs, j'étais en taxi, j'ai eu malheur de retourner sur les arbres. Bonjour Michel, j'ai demandé tout de suite, comment vous savez mon nom? Et la réponse était trop bonne. Je savais que c'était un super bien. Il m'a répondu, oui, j'allais pourquoi pouvoir jouer au Parc des Fous. Et là, ça va. Voilà, et depuis, je pense qu'on est resté amis. On y sera toujours, tant pis si ça lui plaît. Mais moi, je... Voilà, je voulais rendre hommage à notre engagement.